Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, on rentre à la caillou pour capable de vous donner une nouvelle émission. 15 août 2024. Très bonne journée à notre compagnie. C'est jeudi, bien sûr. Alors, tout le monde, est-ce que tout bagaille en forme? Est-ce que ça caille marché? Si là, ok en Haïti, si là, ok à l'étranger, tiens, bérette pas molé, donc on est bagaille déjà. Eh bien, avancez. Parce que, à chaque fois, bon Dieu, ben non, opportunité pour nous, un jour en plus. Si tout, si là, ok à vivre dans le pays d'Haïti, je pense que, ben, gloire à lui. Gloire à lui parce que, pays ça, n'a pas dit, j'en ai vivre là-dedans, donc à levons bon matin, tout Haïtien mourit. Mais comme nous sommes une nation qui est forte, une nation qui est résiliente, bon, c'est ça que fait nous là toujours. Mais pas qu'il y a qu'une condition qui réunit pour dire, eh bien, nous devons vivre dans ce pays. Ça. Sauf Gauchabrakio, sauf Oligakio, sauf Gangio. Mais nous, les écrasés de la vie, les écrasés de la société, les opprimés, eh bien, pas qu'il y a qu'une condition qui réunit pour être capable de permettre nous vivre. Alors, c'est parti. On commence avec un chiffre. Vous nous dites que il y a 3759 personnes qui mourent ou bien blessées dans le pays d'Haïti au cours du premier trimestre, alors semestre, et année 2024. Là. Et c'est ça, Nations Unies fait qu'on est. Et pendant les souligner violence gang armée, contribuer à aggravation, insécurité alimentaire qui touchait désormais 4 millions Haïtiens. Tenez bien, 3759 personnes, moun qui mourit ou bien blessé. L'on prend dans le chiffre ça, c'est moun qui mourit et blessé. Donc, mort et blessé fait un total de 3759 moun. Qui yo même est victime pendant premier semestre. Ça veut dire, dans l'année 2024, là, on prend janvier, février, mars, avril, mai, juin. De janvier à juin 2024, mais comment le parti? Nous pas même contrôler juillet et avec moi ça, nous la donne là. Eh bien, gagné yon insécurité alimentaire qui capable frapper pays. Non, désormais nous déjà dans l'insécurité alimentaire là parce que sous almen on enquête là dans série de zones dans pays d'Haïti ou après situation grave. Mes amis qui t'aiment dit non, c'est pas pour capable affoler mais c'est réel. Et gagné en pile monde qui connait passer environ un jour, deux jours. Yo pa met an yen nan bouche oui nan pays sa. Ou même qui levé yon matin. Logado ou gen 25 goud nan men ou. Ou ka pran café. Ou ka pran 25 goud marinade. Ou met di bon Dieu merci oui. Bagay yo red de yo oui. Et ki tem di ou même qui gen moyen nan men ou. Logade ou yon pauvre qui vin bon côté ou. Li mandon ti ki choy. Sou ka bali bali. Bali parce que bagay yo red nan pays ya. Mais qui t'aime dit nous, toutes conditions réunies, même clair sous ça. Comme si, pour pays ça, nous t'a capable dit, l'écrasé plate, explosion. Haïti c'est en poudrière. Ok? A n'importe étincelle, boum, l'a éclaté. Et nous sommes au bord de l'explosion. Où est là? Tout ça qui a passé dans le pays, c'est tout problème ça on est capable de dire qui provoquait l'autre crise. Par exemple, tout ça bandi a fait là, c'est de bagaille on est capable de dire qui à la base de grand goût ça qui menaçait plusieurs millions haïtiens. Un autre petit exemple très clair. Un monde qui était dans le département la Tibonite qui travaille. Jodi à là, c'est pas la même chose. Monde ça qui était une opportunité pour être capable cultiver du riz, maïs, l'autre bagaille. Mais immédiatement récolte li bon bandi branle moun sa li plonge nan grand goût. Imaginez c'est ça yo qui la cause tout moun nan grand goût là. Ti machin ki te konal bat zèl li en bas la ville là kou n'a pa gen en bas la ville encore pa gen ken kote l kal fonctionner parce que c'est là il te kon brasser grand goût. Nèg ki te kon charger machine aviation wan
nèg qui t'es chargé portail là qu'il y a un chiffre là réduit ça veut dire grand goût donc c'est toute cause ça yo qui la cause moun nan difficulté et mettez sous ça des gens qui ont même décapitalisé de manière directe par agissement bandio dites tout camionnet qui a volé kidnapping qui a fait donc c'est tout problème ça yo qui mène nous côté nous y est là et puis s'entendez à là bon c'est misère pauvreté extrême et puis peuple là lui-même les en difficulté tenez bien gagné moun nan département la Tibonite le 14 août 2024 divers moun nan population yo mette tête yo dehors mais information c'était marcher ensemble avec la police pour aller déchouquer monsieur Kokorat sans ratio. Non, on ne peut pas faire ça. C'était pas trop facile. Mais écoutez, moun yo marché dans quelques zones dans département et yo profité, on ta capable dire voyez yon message by autorité yo. Vous dites autorité yo assumer responsabilité nous concernant le département de l'Artibonite. On regarde quelques petites images. C'est aussi ça qui fait. Nous sommes les premiers payants. Et bien, M. Damio, qui ont entendu ce qu'il a fait avec la ville de Genève, et bien, la population aussi, et bien, quoi ça a, et bien, nous remercions même pour que nous finissions la ville. Donc, nous avons demandé avec, pour maintenant avec vous, nous avons demandé avec, pour maintenant avec la police, qui fait la bataille, pour que la population ait été, parce que nous avons fini la ville. Et n'a pas fait le directeur de bateau dans l'arbre. Eh bien, action ça est posée à l'élever. Et subordination, parce que directeur, eh bien, déchet, père de la directeur général l'a dit, eh bien, mariage là, c'est population avec la police, et pour la même midi, eh bien, et même. Il n'est pas respecté, directeur, qui fuit Rouen Barcelone, donc il dit lui-même, il va dans le mariage là. Donc, dans ce sens, automatiquement, il y a une subordination, et bien, il faut qu'il y ait des missions, automatiquement, il y a une subordination, il faut qu'il y ait une évocation. C'est dans ce sens, les populations, la population, ici je dis, et bien, nous passons vraiment pour le ménage avec l'équipe, il y a des vents, il y a des vents, parce que le directeur général l'a dit, eh bien, mariage là, c'est mariage entre la police avec la population. Est-ce que ça dit qu'il y a volonté? Jusqu'à présent, nous travaillons là, 8 heures, et là, nous regardons là, 10 heures, nous n'avons pas vraiment de volonté immense. Est-ce que y a volonté pour la population pour accompagner, pour aller l'autre bord? Eh bien, nous-mêmes, nous connaissons très bien, par rapport avec le développement, population de groupe, par rapport avec un nom, population bagage de marché, donc de ce ça, nous avons rendez-vous à 8 heures, mais là, je commence à bouffer là, je commence à minuit. Nous avons à 8 heures, mais il faut aller chercher un bagage pour mettre en vente. Dans ce ça, nous disons, nous n'avons pas de problème. Et nous là, jusqu'à ce que Paul Ménard avec l'équipe, et bien sorti pour nous gérer la question. Donc, laissez ça, si on va sortir, la population a fini par faire, parce que la population a fini par faire. Nous avons responsabilité pour la sécurité. Ils n'ont pas décidé de la sécurité. Mais laissez ça, il y a fini. Question par les matériels là. Question par les matériels là. Donc, ils sont familiers. Oui, ils sont familiers. Nous allons me connaître. Est-ce que si la population t'a attaqué le commissariat, est-ce qu'on va te défendre? Oui, et puisque vous avez défendu, vous avez gagné matériel, et bien nous-mêmes, et bien population, pour aller gagner l'école, pour aller ouvrir le 1er octobre, et bien nous ne pouvons pas ouvrir l'école dans la sécurité. C'est ça que fait, nous prenons bien bonheur, jeudi 14 août 2024, pour nous dire. Eh bien, Paul Ménard, avec l'équipe de la Timonite, pour que nous sommes en sécurité. Dans l'émission que nous avons date 14 août 2024, là, moi, te voyons un pinga par la population pour me dire, attention, et si nous pas bien entouré, pas pour te bouer sous base, n'est-ce pas, sans ratio. Et, moi, c'est que mon dit, non, RL,
peuple la pote bourré, faut quitter le pote bourré. C'est pas comme ça. C'est si nèg nan base kokorat sans ratio, c'est des bras défectés nan mayo. Et un peu plus tard dans l'après-midi, samedi dia c'est exactement ça qui t'a pral rivé. Ou imagine ou, chef gang kokorat sans race là, ou bien youn nan chef gang kokorat sans race qui se meye, monsieur fait un petit vidéo qui a peine une minute. Sous vidéo ça ou boye gen plusieurs zam. Nan yon mette a te a, gen bouteille, kote nan yon tap boye ba sa ou. Et puis il dit, c'est comme ça qu'il tape tant de population. Regardez la vidéo ça. Pendant que le peuple va faire macaque, jeudi à 14 août, il va faire un petit messie, il va faire un petit cocoat, il va faire. Il y a un Heineken, il y a un Prestige, il y a un Babankou. Il y a un grand terminal. Il y a un les gars, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous êtes cheap, vous êtes des musiques. Vous êtes bien. 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 Chaque jour, nous êtes bien. Vous 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 est-ce que nous comprenons? Donc, je ne dis à la, si la police ka bataille, faut la police dit ka bataille. Et si la police pas ka bataille tout, faut qu'il dit ça. Mais comme li la pour protéger et servir, c'est seule instance non gagné là qui capable prétendre que la bataille face à bandi yo, li pa ka dit ça. Li pa ka dit ça. S'il dit ça, m'ta capable dit c'est la guerre la République dans mes bandi parce que jusqu'à présent, ça qui kembe nous là toujours. C'est symbole lui. Son symbole que l'État li existe. M'a besoin de plus de bagay que ça pour ne pas dire ma baye bandi conseil. Mais ça qui kembe non, c'est un symbole qui dans tête tout bandi pour ta faire comprendre que ah, l'État li existe, faut que nous quand même paye l'État parce que l'État li pigre passe non. Après ça, pas gen rien encore. Pas gen rien encore. Mes amis qui t'aime dit non, m'te wè yon ti vidéo de citoyen nèg 103 zombie yo te kembe ya. Ok? Et c'était une première partie. Mais une vidéo qui dure 4 minutes. Dans la vidéo, ça, bon, même, comme moi, je ne pas qu'on joue, mais franchement, nèg kap mette nan mes bandits, mon cher, nous mettons continuer à frapper plus fort. Et malfra ça, monsieur, nèg trop. Nèg trop. Malgré ça, fait le passé misère. Li mouri en matière. Yo maltraité, yo coupé les oreilles. Alors, dans la première vidéo, j'ai quelque chose pour moi pour te couper les oreilles, monsieur. Coupe les oreilles déjà, oui. Et puis, il fait couper l'autre oreille là pendant la théa. Mettez-le dans la bouche, vous le mangez. Et quelque part, dans l'autre vidéo, j'ai quelque chose pour moi, monsieur Chita. Bon caoutchouc. Et il met gaz, un galon gaz. Et puis, il met du feu. Quand j'ai un green bag, m'a dit bandit. Est-ce que vous êtes des robots? Ouais. Est-ce que c'est robot? Parce que ça y on a regardé là. Nous semblait pas jamais nous compte que tout ça fait sous terre au pays. Mais qui t'aime de bagaille ou même qui c'est chef? Bah qu'on est sans trois zombies, backup sans frontières. Et c'est vrai. Ça rien pour payer yo. Quel que soit sacrivo, la trop petit parce qu'on touye trop monde. Y a pile monde qui mourit sous conscience ou. Mais écoutez, pi gros plaisir moi-même faut l'autre mourir m'ta ou agonisé oui c'est un plaisir tout parce que là où prend plaisir ou pour faire ça bon ou t'es qu'à faire même avec petit garçon en tout oui ou t'es qu'à dire ah monsieur t'as tiré sous nous bah ça ou m'kembel m'lagel comme si vous faites ça peut-être capable gen gros chef qui est qui dit mon chou pas gen doit faire ça parce que gen nèg qui gros chef face ou monter qu'à faire l'encatimini nèg ou kembel ou dit ah monsieur la gen nèg on bah qui passé depuis bien longtemps et bah nèg vague. Mais il faut que tu comprennes tout. Gè des actions là fait yo ou pas quitter trace. Ou pas quand tu es dans bataille face à bandit ou quitter image sur téléphone ou pas comprendre. Donc c'est que là bon, c'était plus gros erreur que citoyen fait. Mais sauf que moi me dis ma bataille toujours. Moi j'ai un petit cal espoir tout petit
Mais pour rêve nous concrétiser, réaliser, faut que nous d'accord pour nous entrer dans la logique moun. Parce que moi ouais en pile dans nous démoniser. Ouais, si nous t'es moun mentalité esclave l'état, il t'a changé déjà. Il t'a changé déjà. Hélas, gon citoyen là que le Guy Philippe qui vient là, cap vendre un projet morné. Bon, jusqu'à présent qui a battu l'estomac lui, qui a dit bon, c'est lui-même qui fait américain fait ci, c'est lui qui fait américain fait ça. Non, c'est pas là la bataille. La bataille c'est mobiliser un maximum de gens à travers la population et puis pour pays avancer. Bon, me dit non bagay. Ouais, peuple haïtien, si tout le monde dans la population prend la rue, je ne jodi à la. Yo di vive l'homme sans joue. Pas impossible. Yo di vive Jeff Canaran. Yo di vive barbecue. Cité Soleil, passe prend Badelma, tout l'autre côté honnête. Yo fait presque 500 000 moun ou bien 1 million moun. Yo di vive Iso, village de Dieu. M'di non si pas impossible, oui. Yo di vive Chris là. Et puis yo di, yo réclamé pour que nèg sa yo se prend tête pays. Gardez pour si après quelques jours ou pas sous route pour jouer un changement à situation qui gagne là. Comprenez bien. Mais tout autant, dans ça nous y est là, nous continuer là-dedans, eh bien, c'est l'obéi. Pas oublier, m'te dit non comme si on l'a privé. C'est pas l'État, non, mais c'est un pile monde dans la population qui a dit bandit autant pris souple dialogue. N'a songe, m'te dit non ça. Bon, m'te dit non, bagay. L'État n'a pas souvent. Depuis soir, Ariel n'a pas acheté un paquet de bagay pépé. Yo, rete là. Mais Américains voyons pas quel autre bagarre encore, pépé. Kounya bon. Soit après résoudre un problème qui gagne dans le pays d'Haïti là. Puis gros problème qui à la base, en pile l'autre problème yo c'est insécurité. L'autre jour là m'a regardé moi des trois moun qui sorti pour réuni. T'es quoi la police à craser manifestation. Mais monsieur, les policiers ça yo, n'est yo rage oui. Ouais, je ne jodi à là, si pour gagner une manifestation, faut que nous quitter peuple là ya ya kol. Qui tel prend la rue parce que ça gagne la litrop pour la police. La police pas qu'à gérer encore. Ça gagne la litrop pour nous. Mais hélas, nous pas qu'à dire ça. Nous même policiers, nous pas qu'à dire ça. Nous même chefs de la police, nous pas qu'à dire ça. Parce que si nous disons ça, ben, c'est désespoir total pour la population. Mais qui t'aime, dis nous pas qu'à les cas privés. Le peuple a besoin de vivre. Soit l'a décidé pour les esclaves libres. Parce que là, ils sont esclaves. Nous sommes capables de dire totalement enchaînés. On voulait un bon exemple. Américain en bas a poussé bandio li ou bien li ouvert certaines brèches pour pays a pas jamais changé autorité ou mentalité esclave. Bon bref, ça veut dire nous mêler. Mais qui t'aime dit non bagay, si par impossible peuple a dit le préféré esclave bandio et puis pis fort peuple a dit yo même bay au bandi et puis kounya la pap gen kidnapping, pap gen bataille, pap gen pote bourré sous zone, pap conseil de bagay. Mais bon, dis non bagay. Malfray a toujours fait ça. Et nèg ki sans conscience ça, il a toujours fait ça. Il a toujours fait. C'est ça que fait comme si et moun sa nou wè ki la k'ap chache divise nou an. Li fò an pile. Mais nous même nou on grain bay pou nou te fè. Pour nous gérer ça, pour diab. Nous pas jamais qu'arrivé faire ça parce que c'est conscience oui, mais nous pas décidé faire. Tendez non. Agent kenyan qui blessé par balle dans le pays d'Haïti, c'était dans le mois passé, li jeune assistance dans le centre santé République Dominicaine. D'après une source militaire, Diario Libre. Après, il a été recevoir dans le centre diagnostic médecine avancée avec télémédecine, CEDIMAT, 5 août 2024, officier qui fait partie force multinationale là, autorisé pour capable retourner dans fonction dans le pays d'Haïti. Ou gen pou un petit blessé léger oui. Même dit non, c'est un bon 10 qui pourrait être là dans pays oui. On comprend ça me dit parce que langage là l'obligé codé pour YouTube pas comprendre ni. Mais un bon 10 gen qui pourrait être. Comprendre? Et puis pour nèg yo comprendre que je t'a fait eh bien tout le monde comprendre li. Tout le monde a pris bois. Dans page politique là gen parti Fusion Sociodémocrate Haïtien qui bay clarification sous position li concernant accord. Transition et mandé yon union nationale pour capable faire face à défi dans le pays d'Haïti. Le 15 août 2024, dans un communiqué qui joigne rédaction RL News le 14 août 2024, Parti Fusion Sociodémocrate Haïtien déclaré li
pas senti li engagé, pas prise décision encore 21 décembre 2022. Accord ça négocié et approuvé par diverses parties politiques, organisations religieuses, représentants société civile et secteur privé qui visait élargir consensus 11 septembre 2021. Cependant, fusion PFSDH considéré accord cela comme caduc suite à signature accord 3 avril 2024 là. Bien que ça pas publié dans le journal officiel Le Moniteur, les constituer désormais base légale pour transition si là jusqu'à yo remettre pouvoir en février 2026 avec autorité légitime qui choisit par population haïtienne. Parti Fusion précisait que li pas participé depuis un bon bout de temps à discussion qui menait par Silao qui prétend yo c'est majoritaire et yo c'est seul monde qui habilité pour capable prendre décision au nom de toute signataire accord 21 décembre 2022. Parti a déclaré explicitement li pas engagé par prise position ou bien décision groupe Sila. Communiqué a fait connaître que structure Sila a été convaincue que salut pays d'Haïti résidait dans union sacrée tout haïtien au-delà clivage politique ou social. Pour répondre à un pile défi pays a fait face, Haïti besoin sécurité et stabilité. Parti a commencé contacter garçons et femmes qui ont bon gens volonté toute tendance confondue pour capable préparer avenir pays et réfléchir puis bon formule entente avec union nationale. Et pour refermer cette émission, voici André Michel qui lui-même a commenté actualité. Gagne une délégation 21 décembre qui rencontrait avec la CARICOM. Et son visite d'évaluation de processus là, eh bien rencontre là gagne des points pour naturellement qui étaient à l'ordre du jour. Et il y a un premier point, c'est nature, qualité relation qui le conseil présidentiel CPT et la primature. On a son relation tantôt le bon, tantôt le pas bon. Nous avons notre préoccupation par rapport à cette relation parce que les deux branches et de l'exécutif transitionnel obligés de travailler ensemble, obligés de gagner harmonie dans le temps. L'autre question qui est abordée, c'est la question du gouvernement d'Union nationale. Parce que, selon l'esprit du consensus du 11 mars, le consensus du 11 mars qui prend le fond des périodes de transition, qui est plus grand que l'accord du 3 avril, est supposé gagner un gouvernement d'Union nationale. Or, il y a plein de monde qui dit que ce gouvernement n'est pas un gouvernement d'Union nationale. Il y a des secteurs dans la société qui ne participent pas dans ce gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, il n'est pas capable de porter apaisement et politique qui est nécessaire. L'autre point qui est abordé, et nous dit nous-mêmes, la communauté internationale jusqu'à présent n'a pas encore honoré ses engagements en matière de sécurité et en matière humanitaire vis-à-vis d'Haïti. Je te dis nous, et il y a voyé force là, c'est 400 soldats kenyans qui arrivaient, ils arrivaient là, ils n'ont pas d'hélicoptère, ils n'ont pas de moyens, et puis 400 soldats kenyans pour être capables de faire face à cette situation. Hein? Il faut que la communauté internationale puisse respecter ses engagements vis-à-vis d'Haïti. Question humanitaire à tout, sont questions fondamentales parce que situation économique et sociale là, les dégradés 4 mois après démission Ariel Henry, il y a plus de monde qui est déplacé à travers le pays. Situation sécuritaire là, compliquée, gang yo prend plus de territoire, yo plus arrogant. Ça, c'est la réalité. L'autre dossier qui est abordé, c'est nécessité pour un conseil électoral qui monte le plus vite possible et on l'autre dossier qui est important, et tout le monde connaît, c'est le dossier du scandale de la BNC. Le dossier du scandale des 100 millions de gouttes de la BNC. Et à ce niveau, la CARICOM a exprimé sa compréhension et moi-même, personnellement, je ne sais pas pour les autres, d'accord, il faut rapidement une enquête sérieuse pour clarifier les faits et permettre à chacun de tirer les conséquences de cette histoire. Moi-même, ça, je ne suis pas d'accord. Je ne pas d'accord, mon dîme, ou pas devant l'ULCC. Je pas d'accord, mon dîme, ou c'est président, pas devant la commission d'enquête. Je ne pas accepter ça. Bon dossier et bon scandale qui pète. Son scandale qui est capable de plomber le processus transitionnel là. Son scandale qui est capable d'anéantir l'institution.
il faut que ça soit clarifié, les conseillers impliqués ou bien épinglés ou bien accusés, ben on peut dire, doivent comparaître devant l'ULCC ou devant votre commission d'enquête pour clarifier la situation. Et à titre personnel, je peux le dire, j'encourage l'initiative des membres observateurs au CPT, à savoir Mme Régine Abraham et Frinel Joseph, qui ont commission d'enquête pour que cette affaire puisse être clarifiée et puis pour nous capables d'aller de l'avant. Parce que cette affaire, si elle n'est pas clarifiée, va plomber tout le processus. Or, nous avons un équipe important pour nous régler, qui s'est mené pays en élection, le peuple a choisi qui est-ce qui peut diriger le pays. Nous n'avons pas le droit de quitter qu'un dossier qui impliquait trois mondes vienne plomber, vienne craser un processus extrêmement difficile que nous avons piloté ensemble. Voilà les points qui ont été abordés. Et quand l'autre point nous a abordé, tout nous-mêmes, le 21 décembre, et moi je l'ai dit, la CARICOM a la responsabilité morale et politique de faciliter le retour au pays le plus vite possible de l'ancien Premier ministre Ariel Henry. Ariel Henry, il a le Kenya, il a le Sion, un accord de réciprocité, il était passé dans l'espace CARICOM, dans la réunion, et sur le chemin du retour, il a été empêché de retourner dans son pays. Et nous disons aux éminentes personnalités que les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM doivent intervenir pour faciliter son retour dans ce pays. Ariel Henry a dirigé le pays pendant 32 mois, son pays extrêmement difficile. Diriger Haïti pendant 32 mois, pas facile. Bon, monsieur, il y a 3 mois là, où est-ce qu'il l'obèque a pété, scandale, corruption. Pas facile de diriger ce pays. Et nous disons, Ariel Henry, il y a des alliés en Haïti, il y a une profession en Haïti pour l'exercer. Le maintien d'Ariel Henry à l'extérieur ne va pas faciliter l'unité de la famille haïtienne, ça ne va pas faciliter la réconciliation, ça ne va pas faciliter une conférence nationale dans ce pays, comme certains acteurs politiques haïtiens et la société civile le souhaitent. Alors nous avons plaidé pour que la CARICOM intervienne pour faciliter le retour le plus vite possible du Premier ministre Ariel Henry et promettons-nous qu'ils vont déposer notre requête au bureau des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des lâcheurs, nous sommes avec le Premier ministre, nous avons assumé et nos rapports avec lui, et personnellement, je reste en contact avec lui, parce que pour moi, c'est un thème de corruption, scandale, 100 000, non, 200 000, on l'obéit, on n'a pas eu ces histoires lorsqu'Ariel Henry était au pouvoir. Scoop. Et éminente personnalité yo, par rapport à ensemble de dossiers ça yo, et qui t'est évoqué, donc qui réaction yo, notamment et retour pour le ministre Ariel Henry, mise en place conseil électoral provisoire, scandale et qui impliquait conseiller et trois conseillers dans le conseil présidentiel là. Bon, sous scandale corruption BNCA, yo une position très claire, je pense que c'est une position équilibrée. Il faut une enquête rapide pour clarifier les faits et permettre à chacun de tirer les conséquences. Et là, je suis d'accord. Même, pour moi, c'est un bail qui est normal, c'est ça le droit, c'est ça la logique, c'est ce qui est normal. Moi-même, si mon bagay, moi-même, j'ai un problème avec M. Conseil, parce que je me suis dit, yo, c'est président, vous pouvez aller devant, yo, LCC. Pour moi, c'est une plaisanterie. Monsieur a pu exercer certaines attributions présidentielles. Il n'y a pas qu'à l'élection pour le président. C'est des trois mondes qui ont un bout de papier, vous pouvez quelqu'un qui mettait au conseiller présidentiel. On continue à le faire. De toi, nèg, dans 21 décembre, mettons nèg. Claude Joseph est qu'on note, l'ivoyer dans CARICOM, l'imité. Et Moïse Jean-Charles est qu'on note, l'ivoyer dans CARICOM, l'imité. Nèg, ça, ou pas d'accord, t'en dis. Il y a tellement de pouvoir, il y a pas bral devant l'ULCC. Franchement, pour moi, c'est une plaisanterie. Ils doivent comparaître pour que cette question soit clarifiée le plus vite possible. Et tout autant, bah, ça va clarifier, le processus, il va arrêter au point mort. Parce que tout ça qu'a fait dans le CPT, tout ça que le gouvernement a fait, il a dit que c'est l'argent qui a fait. D'autant plus que ce n'est pas une accusation et que n'importe qui fait, c'est pour un quidam. Son président de conseil d'administration en banque d'État, moi je pensais que nous ne devons pas accuser personne tout autant pour clarifier, pas de gagner une accusation et à l'emporte-pièce. Cependant, ils doivent comparaître devant l'ULCC pour que cette affaire soit clarifiée. Et moi-même, on dit que le fait qu'il y ait deux membres observateurs dans le CPTA qui mandaient en commission d'enquête, c'est déjà une bonne chose, parce que tant que cette affaire n'est pas clarifiée, le processus ne pourra pas avancer. C'est mon opinion personnelle et c'est position en pile monde qui est censée qui est raisonnable dans le pays.
Et Michel, sous même dossier ça, il y a le monde qui estimait que si M. Sayo, qui est impliqué dans le scandale ça, continue à siéger dans le CPTA, ça risquait d'impacter négativement et reste membre. Et ça risquait de décrédibiliser toute CPTA. Il y a des gens qui pensaient qu'il faut que tu aies des dispositions qui prend pour t'écarter, monsieur, yo, ne serait-ce momentanément. Et le temps que tu as une enquête qui est faite pour éclaircir le dossier, ou même qui position sur ça? Écoutez, dans ce dossier, chacun doit assumer ses responsabilités. Les parties prenantes doivent assumer leurs responsabilités. Mon qui te voyait mon yo. Et reste monde qui voyait l'autre monde qui pas voyait monde qui est épinglé dans bail ça, d'accord, les autres membres du CPT doivent assumer leurs responsabilités. Ils ont responsabilité tout. Le premier ministre Gary Conille doit assumer ses responsabilités et les trois membres qui ont même épinglé tout font leurs responsabilités. Enfin, voilà, clarifier le plus vite possible. Pour le moment, en ce qui me concerne, la priorité doit être donnée à l'enquête. Que ce soit l'enquête de l'ULCC, que ce soit la commission d'enquête réclamée par deux membres observateurs au CPT. On va la clarifier le plus vite possible. Moi, même si on ne va pas l'étendre du tout, on ne va pas l'étendre, et m'a dit publiquement, on ne va pas l'étendre, aucun n'a eu vindim, yo c'est président, yo gagne immunité, yo va pas devant l'ULCC pour clarifier. Moi, je ne veux pas entendre cette parole. Parce que pour moi, parole ça, il n'est pas responsable. Parole ça n'a pas joué en faveur. Paul ça n'a pas joué en faveur de CPT. Parce que l'on dit ça, citoyen capitaine, c'est dit ou dit, ou pas vle à le clarifier, ou à cacher, ou gen bagay, ou pas vle, ouais, etc. etc. La bonne attitude, à mon avis, d'accord, j'ai toujours été un homme libre, je le suis encore, c'est de se présenter soit devant l'ULCC, soit devant la commission d'enquête qui va être mise en place au niveau du Conseil, comme l'a réclamé les deux membres observateurs au CPT. Mais pour l'enquête de l'ULCC, son enquête qui est en cours, il y a des faits qui ont reproché, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il n'est pas vrai, il y a des bagages qui ont dit, pas qu'on est, je ne suis pas dans le dossier, mais je souhaite que cela soit clarifié le plus vite possible, et le pape clarifié s'il a dit, on va voir devant l'ULCC, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi-même pour moi, dans le motif décision, ils sont décision prend bah qu'on s'allie etc. Mais ça me capable dit monsieur Raoul Pierre lui a droit à la protection de l'État. Il lui dit faut que protection assurer sécurité pour processus la capable avancer. Et ça me capable dit sous lui on prend pas les rentrer dans les détails de l'affaire, mais faut que bal sécurité faut sécuriser. Si il a besoin, faut le capable venir devant l'ULCC. Il a droit à la protection de l'État. Et toute convention nous ratifiée et dit ça, lorsqu'on monde qui porte plainte, eh bien, faut l'État protéger. Ça fait partie de la responsabilité de l'État en ce qui concerne la garantie du bon fonctionnement de la justice. C'est comme ça que ça se passe. Bon, et maintenant, et M. Michel, par rapport à la visite éminente personnalité, il y a des monde qui s'y met et CPTA et plus de trois mois après, il y a marqué pas sous place. Et est-ce que vous pensez arriver et personnalité ça capable de faire bouger les lignes par rapport à l'engagement qui était pris à travers le document 3 avril 2024 là? Bon, à la vérité, il n'y a même pas de prendre engagement à travers le document 3 avril 2024. Le document 3 avril 2024 là, c'est haïtien qui fait. Il y a même engagé à travers le consensus du 11 mars, la déclaration finale de la CARICOM. De la communauté internationale et des parties prenantes haïtiennes. Ça sont pièces fondamentales. Et dans ça, ils sont engagés. Et même moi, je pense que, effectivement, pas sous place. Effectivement, la seule chose qui pratiquement changé, c'est Ariel Henry et ses alliés qui partent au pouvoir encore. C'est ça. 4 mois après, situation sociale la vie plus compliquée. Il y a plus de monde qui est déplacé. Gagnon prend plus de territoire. Et plus que 3 mois après l'installation du conseil présidentiel, là, maintenant, palais n'a pas qu'à descendre le travail dans le bureau. La situation économique là, vient plus compliquée. Et au plus haut niveau de l'État, où on désordre, où on a l'impression qu'on a un problème de leadership, mais on met le problème de leadership là de côté, on dit qu'on a un scandale. Depuis le début de ce processus,
Depuis qu'on commence à nommer premier ministre, c'est scandale, c'est scandale. Vous n'avez pas encore pour faciliter tel monde premier ministre, etc. Mais qu'on est tombé dans un véritable scandale, 100 millions de BNC, côté gain de monde, ils ont accusé, le président du conseil a porté plainte, il a comparu devant l'ULCC. Selon les informations diffusées dans la presse, il a maintenu ses accusations, et par contre, qui s'albaye comme preuve. Bref, on a un scandale au plus haut niveau de l'État. La situation est compliquée, économique et sécuritaire. Et là, comme nous l'avons dit, et à la direction de la CARICOM, il était important pour venir ouais. Parce que quelque part, ça nous vient là, je dis, comme réalité, nous avons un rôle fondamental dans accoucher lui. Et je pense qu'il faut que continue à prendre responsabilité. Est-ce que ça va faire bouger les lignes? Bon, je ne veux pas anticiper, mais je l'espère. Et nous disons ça. En dépit du fait que nous autres, les alliés du premier ministre Ariel Henry, nous sommes les victimes de ce processus politique, les victimes de ce processus transitionnel, mais ça qui est plus important, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas Ariel. Ce qui est plus important, c'est que bon processus qui conduit et que nous débouchons sur des élections libres, honnêtes et démocratiques. Pays a plus important qu'Ariel Henry. Pays a plus important qu'André Michel. Pays a plus important que pouvoir politique là. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision d'accompagner le processus, de jouer notre rôle et de continuer à le jouer jusqu'à la fin. Dans la discussion que tu as pour t'accoucher CPTA, et tout n'a eu gain pouvoir seulement pour le ministre Ariel Henry, est-ce que ça t'a sous-entendu nous lâcher le Gérald Gilles? Scoop. Allô, ça allô, passe pas trop bien. Oui, repose la question, j'ai pas bien entendu. Est-ce que nous lâcher le Gérald Gilles, là nous dit nous-mêmes 21 décembre nous pas sous pouvoir. Nous pas gain pouvoir dans mais nous premier ministre pas gain pouvoir. Premier ministre Ariel Henry. Non, attendez, non sérieux. Le 21 décembre était au pouvoir avec Ariel Henry. Là, c'est un neuvième de présidentiel. C'est pas, franchement, comme le disent les Français, ça, c'est un strapontin en termes de participation. Et d'autant plus qu'il y a une vérité. Et les parties prenantes, dans pile parti politique, qui n'ont aucune implication dans la formation. C'est une espèce de strapontin. C'est pas important, ça. Mais ce qui est important, c'est le processus. Le processus pour nous arriver à des élections libres, honnêtes et démocratiques. Écoutez, c'est clair. C'est ça qui est important. Je veux dire, c'est pas on strapontin, participation, non, c'est ça qui est important. Mais le processus-là, nous tient à elle. Nous voulons que cela aboutisse. Nous voulons participer à faire avancer le processus. Et c'est ça le plus important. Parce que, écoutez, la vérité, c'est pas extraordinaire. L'heure est la rite au pouvoir. Et à chaque fois que le groupe gang yo font action, yo crasent un commissariat, yo attaquent un commissariat, yo tuent monde qui n'a pouvoir aujourd'hui, hein, dans le conseil présidentiel, là, il y a la rite à monter, etc. Mais écoutez, bon, ça qui a passé là, yo. Je ne peux pas faire un jeu avec yo. Je ne peux pas dire yo pas une volonté politique parce qu'il est responsable. Et peut-être plus responsable parce que yo. Moi, je connais que l'État haïtien, pas des capacités pour contrôler, pour faire face à la situation sécuritaire du pays. L'État haïtien pas des capacités pour mettre l'ordre dans le pays. S'il pas un support en force internationale bien équipée, avec hélicoptère, avec bon char blindé, bon matériel. Où est ça? Il y a même eu dit que nous pas une volonté qui de faire des ordres à faire. Bon, il y a même eu là, je dis à des ordres, il continue pire. Quand il prend plus de territoire, il ne pas dire même bagarre avec eux. Plus responsable passé yo. Je préfère dire, moi connais une situation difficile, je connais une situation compliquée, moi connais l'État haïtien, pas de moyens pour mettre sécurité dans le pays ya, sans une force internationale bien équipée. Et ça me dit, moi-même, je ne vais pas dire bien volontaire, j'ai autant fait là. On ne va pas dire ça, parce que ça ne sert à rien de fragiliser celles et ceux qui dirigent ce pays. Je vais vous dire une chose, très honnêtement, c'est peut-être. On comme déclarer ça, on confession. Et je n'ai pas été au pouvoir personnellement, parce que pas de go. Mais j'ai été très proche des affaires. Je sais que c'est très difficile de gérer un pays comme Haïti. Pas au pouvoir, moi-même personnellement, même d'absuivre. Et c'est ça que fait
Et ben pas jambe dit, pas jambe de dire le blanc pas gain volonté et tel monde pas gain volonté pour résoudre problème sécurité, c'est volonté politique pas gain. Je ne dirais pas ça même si on te dit le Ariel Henry était là parce que me connaît c'est pas problème volonté. Il pas gain vrai, c'est capacité l'état haïtien pas gain pour faire face à gang. Il va d'arriconi te dire qui quantité gang nous gain dans pays et allemandel qui quantité policier nous gain. C'est très difficile aujourd'hui. Haïti, la vérité. Haïti, aujourd'hui, ne pourra pas sortir de l'enfer des gangs, de cette crise humanitaire, de cette crise politique, sans le support de la communauté internationale. Tout n'est qu'à prendre pause, Poutine, la gauche, toutes ces blagues, c'est de la démagogie, n'ont pas la capacité pour nous sortir. Et il faut être des hommes et des femmes d'État pour le comprendre et se comporter et en ce sens. Et voilà, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. On dit à fois mes amis, bonjour, pour vous abonner à la chaîne. Et puis, pas oublier bah, nos petits pouces bleus pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!